Hey, la famille, vous êtes donc au courant, gâteau Madeleine a fait fort. Il dit que gâteau Madeleine a fait fort. Regardez un peu l'image. Chaque jour quand Darko se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Oh, voici d'où le problème commence. Gâteau, tu veux toi et moi. On a grandi ensemble, on se connaît pas en détail. J'étais à l'événement de croqueuse et de diamants, c'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce jour, tu es arrivé au moins avec 10 personnes pour toi seul. Alors qu'on n'avait pas prévu les 10 personnes dans l'organisation, on vous a donné une table, vous seul. On vous a donné à boire. Toi seul, tu as pris une bouteille de vin, tu as bu. Toi seul, tu as mangé deux plats de nourriture, deux plats. Tu as vu qui a mangé là-bas? Toi, tu t'es dit que même le petit a pris deux plats. Ça veut dire qu'il connaît. Oh, c'est parce qu'il a organisé. Il mange une fois ses dos. Mon frère, c'était l'ouverture d'un projet, d'une association caricatrice. Toi, tu viens là-bas, on vient pointer dans l'association. Oui, c'est pas toi. Fais ton travail. Tu dis que tu es un grand humoriste. Un grand humoriste, tu attaques. Un humoriste, ce n'est pas ça. Un humoriste, c'est celui-là qui vient avec les concepts, il fait rire les gens. Tu as vu que toi-même, tu fais, tu te noques seul. Quelqu'un t'a vendu son immeuble, au lieu de proposer l'immeuble pour avoir ton pourcentage, tu as dit que c'est ta maison. Tu as vu ça encore partout sur Facebook. Tu as encore vu la même maison partout sur Facebook. Ouais, mon frère. Ouais. Change d'abord la voiture là. C'est vrai que moi, j'aime pas la voiture. Mais quand il te dit qu'il va acheter la voiture, ce n'est pas le gong-gong là. Et je te dis non, que Robinson Pifo va venir faire l'émission à Dakar et c'est devant la maison de ta mère. Pour te dire que Dakar, nous on ronfle que là-bas. Tu n'as pas un boy. Tu veux dire que tu ne te comprends pas, mon frère. Je ne te comprends même pas. Si on t'aidait pas, tu ne devais pas aller à Dubaï. Si on t'aidait, tu vas aller. Erich Takam fait plus de 24 pays. C'est aimant avec l'humour. Si on vous met toi et Erich Takam, toi tu peux faire l'humour avec Erich Takam. Tu as pris Moussi le charismatique pour finir Moussi avec que bon, tu es un petit, tu ne peux pas. Tu as vu comment il t'a géré. Non? Il t'a géré en professionnel. Tu vois comment Erich Takam te gère même maintenant, non? Mon frère, tu deviens ridicule. Tu deviens ridicule. Donc ça veut dire que ta génération, ça avait les Zizou, les Majaki, tout ça, c'est ta génération là-bas, boy. C'est ta génération là-bas. Va faire ça là-bas avec eux. Toi, tu dis que tu es humoriste. Tu peux faire Ricky. Là, c'est le machin de Bilongue là, mon frère. On t'a acclamé à Dakar à Bilongue. Ne s'apporte pas, ne parle pas loin avec. Cherche le cahier et le big rouge, big bleu. Tu peux avoir Erich Takam. Pause publicitaire. Bien, avant de continuer, je voudrais vous présenter cette entreprise appelée Easy Market. Vous qui êtes en Bengla, c'est la meilleure entreprise actuellement au Cameroun. Si vous voulez envoyer les vivres, des produits alimentaires à vos parents ici au Cameroun pour éviter les histoires où on envoie souvent l'argent aux oncles et aux tantes, ils font leur business avec. Donc, désormais, contactez l'entreprise Easy Market via ses contacts si vous voulez ravitailler vos familles ici au Cameroun. Et ils livrent en moins de 24 heures partout où tes parents se trouvent. Ils partent te livrer. Donc, contactez cette entreprise. L'entreprise est efficace. Easy Market, le meilleur. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. Cherche le cahier et le big rouge, big bleu. Tu peux avoir Erich Takam. Les gars, si je n'étais même pas Camerounais, je devais naître dans quel pays? Si Dieu ne me... Non, on n'a pas un autre pays. Il dit que le Cameroun, c'est le meilleur pays au monde. Non, si je n'étais pas Camerounais, il devait changer de nationalité. Oui! Ça, c'est gâteau Madeleine. Oui! Comme vous pouvez voir l'image là, le gars a récupéré, celui qui parle là, on l'appelle Didier Cerveau. Le gars récupère Didier Cerveau que oh, tu m'as insulté sur les réseaux sociaux. Non, je vais te traiter. Je vous avais parlé comme ça, il y a toi, il y a Pifo. Vous-même, vous voyez que les gars bavardent sur les réseaux sociaux, pourtant ils sont tellement faibles. Regardez un gars qu'on tape comme je ne sais même quoi. Tes trucs que tu fais là, gâteau Madeleine, ou c'est gâteau Kumbala, va faire ça à Pifo. J'attends le jour que tu vas prendre Pifo dans la rue et faire tes conneries que tu as fait à ce jeune garçon-là. Je vais comprendre que tu es un homme. Tu comprends, non? Le jour que tu vas faire ça à Pifo, ou bien même à moi-ci,
gâteau où tu m'as étudié. Moi, ouais, je t'appelle gâteau Madeleine, gâteau Kumba, le gros gâteau Kumba. Là. C'est comme ça que moi je t'appelle. Quand tu ouvres, tu fais tes vidéos pour insulter les Aïcha Kamouaz, insulter Cécile, insulter Coco de Diamant. Coco de Diamant t'a interpellé un jour. Coco de Diamant t'a déjà répondu un jour. Qui peut insulter même sur les réseaux sociaux plus que toi là? Toi, tu fais des vidéos chaque jour, tu clashes les gens. Mais quand on fait une vidéo, on te touche ou ça fait mal. Tu attrapes l'enfant de tuer dans la rue, tu commences à le bastonner. En fait, tu as fait ça, je sais que tu connais son niveau. Comme il dit que vous avez grandi ensemble, tu sais qu'il est faible. Tu sais que c'est ton moins cher. J'ai dit que c'est un défi que je te lance là. Fais ça à Pifo. Quand tu vas attraper Pifo, tu as dit qu'ils sont deux, lui et Pifo, non? Que tu vas attraper chaque fois où tu vas les attraper, tu vas les chandaliser comme ça, non? Ok, bravo papa. J'attends donc. Le jour que tu vas attraper Pifo, tu vas faire ce que tu as fait là. Je vais t'appeler garçon. Ou bien le jour que tu vas me trouver dans la rue, j'étais à ma charisme. Je ne savais pas que tu étais là. Parce que je suis venu manger le tarot à l'extérieur là-bas. Je suis allé au tarot, t'es même fini. Je suis parti. Si je savais que tu étais derrière, je devais même venir derrière là. Te voir seulement comme ça là et partir. Parce que tu fais des boucans que vous, si j'ai toujours que je t'attrape, je vais si je fais. Le jour que tu m'attrapes, fais tes trucs que tu fais là. Je vais te montrer ce que le sang que je mange pour rester toujours noir comme il est noir là. Tu attrapes l'enfant de truc. C'est un père d'enfant comme vous voyez là, la famille. Un père d'enfant. Le gars attrape, il tape. Il fait, il malaxe. Il jette même dans la rigole. Il fait. L'enfant, il a l'enfant. Il croit que le tumultif, c'est au moins deux enfants. Il a sa femme à la maison. Quand tu attrapes un jeune comme ça là, dans la rue, tu fais ce que tu as fait là sur lui. Toi-même, tu appelles ça quoi? Pourtant, chaque jour, toi, c'est toi le maître clasheur sur les réseaux sociaux. Tu as raconté, tu n'as pas raconté quoi sur Coco de Diamant? Qui t'a fait quoi? Même porter plainte, même te répondre. Elle n'a jamais répondu. Mon frère, laisse les choses du Facebook sur Facebook. Tu n'es pas différent des fans qui nous voient parfois dans la rue, commencent à nous dire que oh, franchement, tu es jaloux de ceci, tu es jaloux parce qu'ils ne comprennent rien du game. Toi-même, que tu comprends tout du game, tu sais que ça, c'est un game, ça, c'est juste un divertissement. Toi, tu viens, tu t'acharnes sur l'enfant, tu t'acharnes sur l'enfant de truc, mon frère. Jusqu'au point de lui. Si tu fais. Si le gars là te lâche, même, c'est qu'il est mou. Tu dois même faire la cellule. Peut-être que tu fais, on t'a dit qu'on résout tout avec les coups de poing, mon ami. Il faut faire ça à quelqu'un d'autre. Peut-être s'il laisse, hein, fais ça un peu à quelqu'un d'autre. Des trucs que tu fais, ils sont derrière. Ou à défaut, peut-être je peux même parler comme ça que c'est le buzz. Si ce n'est pas le buzz que vous avez organisé, vous deux, que si c'est vraiment une réalité là. Ben s'il laisse, vrai, ça c'est le buzz. Ça, c'est un buzz que vous avez organisé comme ça là, pour faire tout ce que vous faites là. Mais la manière dont tu as chandalisé le gars là jusqu'à machin là. Je ne sais vraiment pas si c'est le buzz. Mais si c'est le buzz, parce que vous êtes trop fort pour créer les buzz. Si c'est le buzz, ok. Mais si ce n'est pas le buzz, car c'est que tu as fort comme quelque chose d'examen, c'est que tu as très mal. Hey! C'est quoi ça, mon frère? En tout cas, j'attends la version de Pifo. J'attends. C'était le général Franco. Les gars, partagez-moi cette vidéo. Hein? Je vous ai dit que la page est restée. Non, partagez, les gars. Je vous dis chaque jour de partager, vous ne partagez pas. En tout cas, je ne vais plus vous mettre au courant des buzz. Vous partagez pour m'encourager. Si vous partagez, je vous mets au courant de tous les buzz. Vous ne partagez pas. Moi, je reste aussi tranquille, non. C'est de ça qu'il s'agit. C'était le général Franco. Ciao. Voilà, mesdames et messieurs, chers patriotes, chers benguistes, contactez le studio Vision Pro, mon studio, le studio de Franco Le Mignon, pour tous vos problèmes événementiels, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, même les shootings photos, venez au studio Vision Pro.
Bienvenue au studio photo vidéo Vision Pro. Nous sommes spécialisés dans les couvertures événementielles telles que mariage, baptême, funérailles, conférences, projections en direct, en photo et vidéo. Vous avez besoin des travaux d'infographie tels que création des logos d'entreprise, banderoles, flyers et autres. Votre anniversaire est proche et vous souhaitez faire des shootings photo pour l'annoncer. Vous êtes artiste, musicien, comédien et autres. Vous voulez embellir vos différentes pages Facebook? Contactez Vision Pro pour les shootings photo. Vision Pro est situé à Yaoundé, au quartier Mousseau, face totale d'en haut, à 200 mètres de la chapelle. Contact 672 30 37 85 697 39 27 28. Ok, s'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.